4-5 secondes pour trouver un shoot. Nando De Colo qui travaille face à Dorrell Wright, deux anciens joueurs NBA face à face, et il fait la totale à Dorrell Wright. Il lui a arraché le short au passage, il lui a souri. Quelle finition spectaculaire de la part du Français. Là il est pris, c'est raté. Et encore du rebond offensif. 4 secondes. Aguilar. C'est raté. Prenez-moi le rebond les garçons. Oui, c'est fait. On l'a gagné. L'Asvel s'impose d'un point. 129-128 après 3 prolongations. Are you ready? Place à ce 32e All-Star Game. Amarasi. Ouh, ça c'est beau, Amarasi pour William Howard. Ah, ça fait chipper la balle derrière. Je vous ai dit qu'il avait des... Hé, David Logan qui fait un 360. Je vous l'ai dit, à l'échauffement, je l'ai vu mettre des petits moulins. Jérémy Nzoli. Ouh, énorme dunk de Jérémy Nzoli. Les Français, Stephen, qui prennent leur revanche après avoir été battus la saison dernière. Stephen Brun, Fred Weiss, les gars, vous êtes déjà là, c'est incroyable. Pourquoi? Vous êtes déjà arrivé. Vous étiez au Mans, on vous a vu au Mans dans les tribunes il y a quoi, il y a quelques minutes. Et là, vous êtes arrivé. Vous êtes déjà là. Bravo. Ah, ça se fout de notre gueule comme ça. T'es content quand t'es au troisième pour préparer ces conneries, hein. Ouais, ça nous fait bien marrer. C'est le rebond du match, hein, pour Darryl Watkins. Aminois, Charles Cahudi. La patate, Charles Cahudi. Quelle machine! Oh là là, ben voilà! Voilà! Et il va encore allègrement passer la barre des 20 points! Oh là là, mais il est chaud brûlant! Oh là là, il est devenu complètement dingue! Énorme! Oh! C'est pas possible! C'est énorme! 3 victoires consécutives d'Aiko Chafarzi qui égale le record de Xavier Corozine! T'as un fantôme ici! Big dunk for Vaxon, Poirier and Vasconi will come out all guns blazing. Oh! Ah ouais. Oh là 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 là! David, il est monstrueux. Ah ouais? Il est juste monstrueux, bien sûr. Vous avez vu ce qu'il vient de faire là? C'est monstrueux! Quasiment détente sèche avec deux pas d'élan et le coude au-dessus du cercle tranquille. Voilà. First chance these two really had to meet and talk. Well, you love to see that, Clyde. Yeah, giving it back. So Parker is becoming his mentor. Gladir. And one. DJ Cooper à l'opposé. Sergi Gladir. On le retrouve à 3 points. Ficelle. Cooper. Quel coup d'œil encore pour Sergi Gladir. Il peut faire très très mal celui-là. Kraft. Gladir. Il ne se pose pas de questions. Dans ce début de match pour les Dijonais. Oh là là. Quel slalom. Sergi Gladir, le retour du pistolero, récupéré par Sergi Gladir dans un fauteuil à 3 points, ficelle, évidemment. Sergi Gladir, aïe 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 aïe, Abdouloum, Gladir, eh oui, on monte encore. Aujourd'hui, on avait envie que Fred Weiss dunk sur Vince Carter. 17 ans après les Jeux Olympiques de Sydney, une séquence absolument cultissime. DJ Stephens avec le maillot de Fred Weiss. Oh, il a passé dessus. Regardez, la séquence qui va faire le tour du monde, c'est sûr. Il passe au-dessus de Fred Weiss. Voilà. Là, c'est fait. C'est ça dont je parlais, David. Oh, buzzer. Oh, buzzer. Oh, buzzer. Chase Simon qui envoie le match en prolongation. Ça a marché. Il était l'une des personnalités les plus fortes du basket tricolore.
Frédéric Forte est décédé ce dimanche soir, victime d'une crise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à réveillonner. Forte a marqué l'histoire du basket tricolore. Comme joueur d'abord, il fait partie de l'équipe de Limoges qui remporte le championnat d'Europe des clubs en 1993. C'est même lui qui réalise l'interception décisive en finale face aux Italiens de Trévise. L'histoire d'amour entre Forte et Limoges ne s'arrête pas là. Après en avoir été le joueur, il en devient le président. Le CSP retrouve les sommets, deux titres de champion de France en 2014 et 2015. Frédéric Forte avait 47 ans.